Eh bien, salut tout le monde, c'est Matoshi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Luigi's Mansion. Donc nous retournons au manoir. Oh, la bouche de Luigi a bugué. Et on va continuer à débloquer des pièces, tout simplement. Et on appelle un petit peu Mario, voir s'il est là. Oh. Non, je ne voulais point te parler, petit Toad. Donc, on fait notre petit check habituel. Oh! Ah oui. Oui, c'est vrai. La clé du bébé qu'on avait dans le dernier épisode nous permet d'ouvrir cette porte, mais on va pas aller de suite. Voilà, j'ai des petites pièces à récupérer. Y compris, on va regarder s'il n'y en a pas là. On aura l'occasion de retourner dans les autres pièces de toute façon. Donc voilà, on verra bien. Je check vite fait ici en attendant. Soit, j'allais dire très bien, mais soit c'est pareil. On va découvrir ce qu'il y a dans cette pièce. Alors, ouvrons la porte. La petite clé rose qui n'est plus rose. Et de l'autre côté, il y a... Quelle bonne question. Un couloir. Alors, oh, nous avons les cœurs. Attention, on récupère ceci. Et on va... faire tourbillonner ce truc là. Très bien. Alors, on va regarder la carte tout simplement et on va regarder quelle pièce est libre. On voit que au fond du couloir, à gauche, il y a une porte de libre. Alors, on va y aller de ce pas. Mais bon, on va avant fouiller un petit peu tout le couloir. Oh, de la thune. Voilà. Oui! On t'a eu, petit salopio. Alors lui, on va l'éviter. Alors, on a un cœur ici. Un lingot, les lingots. Rappelez-vous, l'argent, c'est la vie. Hop. Super. On fait du ménage. Youp là. Ah non, on n'a pas réussi à t'avoir. On ouvre donc cette porte. Il n'y a personne ici, mais il y a cet ennemi. Alors, eux, ils nous attrapent par derrière. Hein. Il faut faire vraiment attention. Voilà. Dès qu'on les voit, on les capture. Parce qu'ils sont vraiment méchants. Et vous savez quoi, j'ai même pas fait attention à s'il y avait de l'argent et plus rien ne va. Donc, le professeur Catastrophe nous demande de faire un petit peu attention. Alors, attendez. Ouais, et là-dedans? Pas de sous. Ah, c'est décevant. On récupère la petite clé qu'on a débloquée là-haut. Et regardons où est-ce que cela nous ouvre. Oh oui, je sais où est-ce que ça ouvre. On va avoir droit à un joli passage là. Hop là, on récupère cette, ce fantôme qui est jaune. Oh là, j'ai eu peur. Alors, touk 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 touk. Alors, voilà, foutez-moi la paix, on ouvre cette porte. On passe à la cinématique. Alors... voilà, ça on doit les esquiver. Alors, il y a Sarkozy. C'est un youtubeur qui a dit ça. Et je trouvais la vanne plutôt drôle. Il y a un lingot, il y a un lingot. Le lingot, on le veut. Le lingot, on le veut. Alors attendez, on va s'occuper d'eux maintenant. Yep. Voilà, mais voilà, on s'est fait toucher. Ah, on en a eu qu'un et pas deux. C'est triste, ça. Voilà. Là-haut, on ne sait pas. Oui, on avait déjà fait le test. Toi, maintenant, t'es dans notre collection. Voilà, on va récupérer le petit cœur. Je vous l'ai pas dit, mais j'espère que depuis le dernier épisode, vous allez bien quand même. Hein, parce que moi, je vais superbement bien. Mais quand même, c'est bien de le savoir. Si vous allez bien. Moi je suis ravi, dites-le moi en commentaire. Non, je rigole. Enfin, si vous pouvez en fait. Comme si j'en avais rien à foutre de vous. Non, non. Quand même. Hop là, on va aspirer les deux. Double! Ah non, j'ai pas réussi à faire le double. Où est le dernier? Oh là! Ouachakour! Voilà. Yep. On l'a eu et on l'aspire.
Et là, on va avoir droit à la danse. Alors, il faut être dans le truc là, je crois. Mais dos à eux, non? Oui, on l'a eu! On l'a eu un peu par chance. C'est au moment où il fait le da qu'il faut le choper. Hop, on va la revoir du premier coup! Oui! En one shot. Voilà! Pas le champignon. Le champignon nous rend rikiki et nous fait perdre de la money. Alors, toi tu permets de quoi? Oui, une clé, je sais quelle porte tu vas ouvrir. Bon, vous permettez que je me gratte 30 secondes. Voilà. Je remets mon casque et tout simplement, on va aller ici. Oula, alors oui. Oh non! Oh, yes. Non, tu ne mourras jamais. Laisse-moi ramasser l'argent du fantôme blouge. Ouais, t'as cru quoi, toi? Voilà. Déjà, chaque chose en son temps. Les rouges, ils sont chiants. Alors, on les aspire. Voilà. Il y a des codes couleurs, vraiment, hein, pour les fantômes. Pour... Alors, excusez-moi, je me suis concentré pour esquiver le rose et pas me faire avoir. Oh là là. Vous imaginez pas la chance que j'ai eue pendant 30 secondes. Alors là-dedans, j'ai souvenir d'un truc. Alors regardez, il faut regarder dans le miroir, et dans le miroir, on peut apercevoir qu'on peut appuyer sur un petit bouton. Oh, le petit balai qui est tombé. Avec une très jolie animation de l'époque quand même. Parce qu'on l'a pas signalé, le jeu est de 2002, je crois. Pour 2002, c'est vraiment beau. 2002-2001. Donc on aspire, c'est ça, pas inspire. On appuie sur le petit bouton. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui ose nous déranger? Oh là là, c'est Luigi. Eh oui. Oh, le roi boule, Ectoblast 3000 du professeur Karl Pastrov. Dispersez-vous. Oh, quelle horreur. Trois petits points. Alors, Luigi, ça va? Oui, ça va. Alors, le professeur, oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, il y a eu le changement d'horaire récemment. Et tout simplement, voilà, je suis décalqué à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais je le tourne parce que je me dis que Luigi's Mansion, c'est mieux de tourner ça le soir. Le professeur Karl Tastroff, du coup, pardon, nous explique que les bouts... on les a laissés s'échapper, que c'était mieux qu'il fallait qu'on les capture, mais c'est pas grave, on a eu un peu peur et on n'a pas réussi. Mais il y a 50 bouts en tout, et dans chacune des pièces du manoir, il y a un bout. Donc du coup, on va les récupérer tous ces bouts, une fois que monsieur nous laissera tranquille. Alors on va au manoir, et sachez donc que les bouts ne sont pas obligatoires à ramasser entièrement. Il en faut un certain nombre, mais on n'est pas obligé de tous les ramasser. Donc, mais moi, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, on va faire le let's play à 100%, du coup, alors, j'aimerais, voilà, du coup, on va les ramasser. Et comment ça se passe pour capturer les bouts? Parce que la seule pièce où il n'y a pas de bouts, c'est le hall. Alors, pour les bouts, c'est simple. Vous voyez, quand on rentre ici, si vous regardez la Game Boy Aurore, il y a un petit truc jaune qui fait trembler enfin vous voyez il y a la lumière qui devient jaune et rouge, je veux dire qui fait trembler parce que ça fait penser à un tremblement, et il y a des pièges, voilà, faut faire attention aux pièges, mais on sait pas où est-ce qu'il pourrait bien être. Au tableau au-dessus peut-être. Oui, il était au tableau. Alors là on va au centre et on va attraper bambou. Voilà, lisez les noms des bouts parce qu'ils ont un nom assez rigolo. Et vous voyez, on a un bout sur 50. Youpi! Et on a une récompense une fois qu'on a tout. Une fois qu'on a attrapé tous les bouts, pardon. Alors on va ici et on va choper le prochain bout. Alors le problème des bouts aussi, c'est que. Voilà! C'est que c'est coquin. Voilà! Putain, il va bien vite celui-là. Le problème des bouts, c'est qu'on peut pas les viser comme on veut.
C'est-à-dire que autant les autres fantômes, on est un peu attiré par eux quand on les aspire, autant les boues, il faut continuer à les viser. Et vous voyez, pour l'instant, ils ont 20 points de vie, il y en a, ils en ont 30, il y en a, ils vont en avoir 50, et il y en a, ils vont en avoir 100. Et 100 points de vie, ça fait beaucoup. Donc on va à côté. Ici d'avance, oui. Oh yes! Et ça, c'est. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Lisez les noms des boues, vraiment, c'est très drôle. Donc, on a déjà trois boues. Ouais, dans cet épisode, on va récolter des boues, je pense. Parce qu'après, ce sera plus simple. Dès qu'on découvrira une pièce, on aura juste à ouvrir. Enfin, à ouvrir, à prendre le bout. Bon. En attendant, on appelle Mario aussi de temps en temps, au cas où il nous répondrait. Mario! Mario, Mario, où es-tu? Attendez, on va voir ce placard. Ok, pas d'argent. Je suis triste. Pourtant, la vaisselle, je suis sûr, elle en vaut un peu. Donc, on va ici. Et on va retourner dans la chambre de Neville. C'est ça. Neville. Yep. Oh, l'arnaque. Où est-il? Là-haut. Hop, centre de la pièce. Et c'est tabou! Arrête tabou! C'est pas bien les tabous! Haha, moi aussi je fais des jeux de mots avec tabou. D'ailleurs, toute personne qui trouve des jeux de mots en boue, mettez-les dans les commentaires. J'avais fait un truc comme ça sur Facebook une fois quand j'étais plus petit. J'avais une image de boue et je fais trouver tous les jeux de mots en boue. Il y avait des gens quand même qui avaient participé, hein. Alors. Oh là! Vilain. Alors là-dessus, il y a encore du pognon qui pourrait apparaître? Il y a toujours du pognon de partout. Alors. Ce truc va tourner tellement vite qu'il va tellement. Voilà, bon, il n'y avait rien. Je suis un peu déçu du coup. Alors. C'est-à-dire que le bout, il est là? Non. Avant qu'il se déplace. Ah oui, quand on entend le rire du bout, c'est qu'il se déplace. C'est qu'il a changé d'endroit où se cacher. C'est Bouna, j'ai pas eu le temps de dire. Hop là. On a 5 bouts, c'est super. 5 sur 50. Oui, c'est bien. Salle, j'ai pas eu le temps de lire. Je m'en fiche un peu de ce qu'il racontait. Notre professeur Karl Tastrophe. Ici. Oui, monsieur. Monsieur Bou. Il doit être par là. Il est par là. Et toi, t'es Turbou. Turbou, viens ici. Tu n'iras pas dans la pièce d'à côté. Voilà, oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais peut-être que je l'ai déjà dit, je sais pas. Mais les boues se déplacent peuvent changer de pièce. Et c'est dramatique parce que s'il va dans une pièce qu'on n'a pas débloquée, eh ben on se retrouve très très embêté. Alors il y a des boues aussi, ils sont dans des pièces aussi. Enfin, il y a des endroits où il y en a pas. Hein. Je l'avais dit, dans le hall, il y en a pas, mais c'est pas le seul endroit. Il y a aussi les toilettes, je crois qu'il n'y est pas. Toilettes et salles de bain. Mais bon, avant toute chose, on va récupérer les boues, comme je le disais. Oh, des sous! Il n'y avait pas de sous ici tout à l'heure, vous voyez? Quand je vous dis qu'il faut tout checker. Bombe. Bombe à boue. Oui, là. Il est par là. Centre de la pièce. Puisque c'est là qu'il pop, c'est bouillabaisse, je crois. Tu viens à moi, bouillabaisse! Voilà. Déjà 7 boues, vous allez voir dans cet épisode, on va en avoir plus que 10. On aura fait déjà 20% des boues. Bon. Alors, à tous les coups, les boues. Ah, pas ici. Ouais. Oh, des sous! Des sous, des sous, des sous. Alors, attendez, il s'est déplacé. Autant vous dire que ça veut certainement dire qu'il se situe par là. Non. Voilà, il est par là. Et ça, c'est Gambou, Gembou. Il est ici. Voilà, on a eu Gembou. Alors, super, on en a 8. Et on va regarder la carte. Où est-ce qu'il y a. Oh, ben vous voyez, les toilettes sont libres là-bas. On va y aller. Bon, avant d'aller aux toilettes, j'ai un petit souvenir. Un petit, je sais pas s'il est si petit que ça, mais
Alors, on va descendre ici. Regardez. Oh, attendez d'abord. Ouais. On va ici. Parce que j'ai des souvenirs. Déjà, du pognon. Ça, le pognon, il le faut. Viens ici, petit billet, voilà. On ne laisse personne à l'abandon. Donc, quand on est ici... Ouais, on check tout, mais... Alors... ça sert à rien pour le moment qu'on aille là. Mais si j'y vais, c'est pour une raison bien précise. Ok, bon. Bon, ça servait à rien d'aller ici pour le moment. Oh, attendez. Ah, ok. Mieux vaut tout vérifier. Je suis quand même venu ici au cas où il y aurait eu un fantôme bleu ou quoi, parce que les fantômes bleus, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais donc, ils sont cachés. Et si on a capturé tous les fantômes et qu'on n'avait pas trouvé le fantôme bleu, eh ben, il disparaît. Et ça, c'est très triste parce que le fantôme bleu, il donne de l'argent. Oh! On a vu une lumière qui volait toute seule. Alors, je vais regarder, mais je pense pas qu'ici, hein, il y ait de boue. Non, vous voyez, il n'y a pas de boue. Bon, on sort. Par contre, les cabinets sont libérés. Et on y rentre. Oh, il y a Todd. Oh, attendez, ça pue le truc secret caché quelque part, là. Ah, les sous. Attendez. Ah, la clé. Il y a une clé dans les toilettes. Oh là là, je sais pas ce que t'as chié, mon Todd, mais... Ah, je sais où est-ce que ça va nous mener. Alors... Enfin, vous aussi, puis vous savez, du coup, vous avez regardé la carte. Mais, ce que je veux dire, c'est que je connais la pièce. Bon, on s'en va. Et en fait, le tableau que j'avais vu tout à l'heure, que j'avais dit, oh, c'est Sarkozy. Non, c'est pas Sarkozy, c'est Gainsbourg, le mec qui dit dans la vidéo. Sarkozy, on le verra juste après. Donc, c'est ici. Oh, calme-toi. Calme-toi. D'abord, on ramasse les lingots et tout ce qui va avec, et ensuite, on s'occupe de toi. Enfin, encore que, ça sert pas à grand-chose. Yep, super. Oh, attendez. Attendez, non. Vite! Du pognon. Voilà. Le fromage, ça rapporte de l'argent. Parce que qui dit fromage, dit souris pas loin. Hop là. Voilà, sachez-le. Donc on va dans cette pièce qui est ouverte. Wouhou! Ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant. Alors, wouhou! Oh, on a loupé. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais regarder là-dedans. Un cœur. Alors, comment on obtient les fantômes ici? Parce que vous voyez qu'ils ne sont pas là. Il suffit de... Voilà. Oh, on l'a loupé. De regarder... à travers... Oh, le miroir! On l'a eu. Yes. Alors, je me suis tué pendant que je ramassais. Parce que ceux-là, ils sont vraiment en barbare. En plus, ils pop proche de nous, là. C'est vraiment salaud. Oh, on l'a bien capturé, celui-ci. You. Voilà. Double. Non. Non. Je ne voulais point. Yep. Yes! Il a réussi à nous attraper, mais il nous a lâché trop tôt. Et du coup, il nous a fait perdre aucun dégât. Et en plus, on l'a capturé. Wouhou! Fous-moi la paix! Wouhou! Non! Yeah! Ceux-là, ils sont vraiment barbares. Je ne les aime vraiment pas. Non! Yes! Ah, vite! Voilà. Bande de monstres. Vous êtes les pires, vous. Oh, on a obtenu un médaillon de feu. Alors ça rapporte pas d'argent, mesdames, messieurs. Mais, oh là là. Je n'ai pas besoin de toi pour expliquer... Oh, ben, il est trop petit. Bref. Pas besoin de toi pour expliquer ce qu'il se passe. En fait, ça s'utilise comme ceci. Vous allez voir, j'aimerais juste qu'il arrête de nous expliquer. C'est l'élément feu. L'Ectoblast 3000 permet d'avoir certaines choses, y compris ceci. Oh, le fantôme nous a trollé. Non. Yep. Alors ça, c'est... Gangbu. Oh là. Oh, ok, j'ai cru qu'on allait pas l'avoir. Vite. Et on a eu Gangbu. Je crois que c'était ça son pseudo. Bref. Et vous voyez, dans le dernier épisode, je vous avais vite fait parler qu'on pouvait inspirer également
Et bien là, on va inspirer, voilà. Voilà, on va allumer les petites torches. Yep. On va récupérer... Voilà, ceci. Et on va de l'autre côté. Alors. On allume les petites torches. Voilà. Alors. Touk, touk. Oui. Voilà, la petite clé là-haut. Allez, viens. Non, tu mourras jamais. Ah, voici, elle nous a attrapés. Je sais pas, je m'amuse à faire ce genre de choses. Alors, oh, j'ai pas vu où est-ce qu'il fallait aller. Petite clé qui ouvre le bout du couloir. Ah, oui, je me souviens. Alors, épileptique. Je crois que je me suis trompé dans ce que je devais dire. Épilepsie. Oh là, venez à moi. Très bien. Oh, toi, fous-moi la paix. Je voulais aspirer ce truc-là. Oh, des sous. Et si on va ici? Ah oui. Attendez, on va aspirer ce truc-là. Voilà. T'as pas intérêt à être tout seul. Parce que crois-moi... Oh, casquette de Mario. Chapeau de Mario. Alors ça, c'est important. Il y a 5 trucs de Mario qu'il faudra récupérer. Yes. Des sous. Des sous-sous. Oh, on l'a eu. Oh, on lui a fait une esquive à lui. Non, non, mais ça compte pas. Tiens, mange-toi ça. Non, mais oh. Ils ont cru, eux. Alors, les coffres verts, mesdames, messieurs, il faut les retenir parce que ces coffres-là, ils valent de la richesse. Vite. On prend les lingots. Ah là là, vite. Ah, les sous. Alors, bon. J'ai un peu traîné volontairement. Ouais, ça c'est bougie, super. Tu vas fêter l'anniversaire de la chaîne parce que c'était le 1er avril, donc c'était l'épisode dernier. Et oui, parce que le jour où j'ai fait l'épisode 1 de Luigi's Mansion, ça faisait déjà 10 ans que... 10 ans. Pouh, 6 ans que je faisais des vidéos. Alors. Ah oui, on peut aller là directement... Non, on peut aller là directement, je vais y aller maintenant. Avant, avant tout le reste, parce que ici, on a des petits trucs à faire. Déjà... Alors... on va choper la souris, voilà. Et là-haut, regardez, il y a un petit truc, là. Non? Bon. Alors, on va regarder en mettant ceci. Ah oui, je me souviens de ce qu'il y a. Alors, attendez, je me gratte le nez. Tout en assurant notre protection. Et en fait, ici, c'est une pièce... lisez la pièce, hein, je me souviens plus de ce que c'était. Mais il y a bien et bien un fantôme là-bas qui est important, qu'on doit les récupérer. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait 25 minutes à peu près. Excuse-moi, j'ai tapé le micro. Alors, comment ça se passe? Ah, foutez-nous la paix. Foutez-moi la paix. Voilà, toi, joue au bowling si tu veux. Donc, yes. Lui, il dit, oh non, qui a allumé la lumière? C'est lui, Sarkozy. Mais fous-moi... Oh, ok, non, 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 ok, ok. Oh non, j'en étais sûr. Redonnez-moi mon argent. Donc lui, il est pas content, bref. On va directement aller dans la pièce en question de tout à l'heure. Parce qu'il va, il va nous y rejoindre de toute façon. Vite, 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 vite. Voilà, on va là. On va là. Et on va l'attendre tout simplement. Oh, il y a là. Lui là-haut que j'avais pas fait. Hop, viens ici, petit cœur. Et alors, lui, comment on le bat? Vous allez voir. Oh, attendez, on va aspirer le fantôme. Oui, oui. Il va se poser, il va être très déçu. Hop là, voilà, on attend. Et... Yeah. Oh, il y a un truc bleu là. Faut pas le louper. Attendez. Vous avez vu la petite perle bleue là? Qui est juste là. Viens ici. Oh là là. Un peu plus si on les zappait. Alors on récupère les petites pépères. On va récupérer ce petit coffre. Oui oui, c'est pas grave le fantôme, mais on veut récupérer le coffre. Ok, a sauté dans tous les sens. Non mais. Quelle porte tu ouvres?
Ah oui, je pense qu'on s'arrêtera à cette pièce-là, peut-être après, je ne sais pas. Alors, on récupère ceci. Là, fantôme. Oh non, quel troll. Ah non, c'est ce truc-là au bout. Ouais. Allez! Comment ça? Ah si, j'étais là. Alors, c'est Picaboo. Je sais pas quel jeu de mots ils ont voulu faire avec Picaboo, mais Picaboo quand même. Ouais, on en a 11 sur 50. On avance super vite. Alors, on va aller... Non, c'est de loin ce que je voulais faire. Et on va rentrer ici, et ici c'est un secret. Voilà! Vous avez pas le droit. Vous n'avez clairement pas le droit. Oh, là il y a de la thune. Alors. Yes. Voilà! Tiens! Mange-toi ça. On l'a calmé, lui. Allez, voilà. Là-dedans, on a déjà regardé ce qu'il y avait? Ouais, certainement. Ouais, bah toi, tu vas te détendre. Vous voyez, ils ont... Y en... Ah oui, parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais... Il y a des fantômes qui ont des éléments, et du coup, faut utiliser certains éléments pour les battre. Et ça, c'est des pièces de la richesse, du coup, hein, vous l'auriez compris. Oh, j'ai tiré un truc que je ne voulais pas. Oh, la richesse. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait un fantôme bleu, vous comprenez? Il n'y en a pas ici. Oui, bah toi tu vas te détendre et je vais vite faire regarder là. Voilà! Mais c'était de la triche! Vous n'aviez pas le droit! Yes! Les deux en même temps! Haha! Vous n'aurez rien pu faire. Oh, il restait un coffre comme je suis triste. Yes! De l'argent! Beaucoup d'argent! Alors, viens ici, toi. Viens ici, petit billet. Voilà. Et on va ouvrir ce coffre qui contient... Oh, vite. Oh, on en a attrapé deux en même temps, je crois. Ah oui, vert. Oh, yes. Oh, non. Oh, rouge aussi. Mais tout d'un coup. Mais tellement d'argent d'un coup. Oh, non, tous mes sous. Je suis déçu, là. Voilà. Esquivez-le. Là, le fantôme, il est là. Toi, t'es boulimique. Ouais. Boulimique, c'est pas une référence à la boulimie? Si, certainement. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire, surtout. Wow. Bon, le mangeur d'hommes, il avait quand même pas mal de fric chez lui, hein. Il planquait toutes ses économies. Le salaud... Oh là! On va s'en aller d'ici. Bon, ah oui, on va aller voir Madame Claire... Ah non, c'est pas clairvoyance. Ouais, l'autre, il est un peu vénère, je sais, je sais. Alors, je me rapproche un petit peu plus dans mon micro, ce sera peut-être mieux pour vous. Alors, youp là, on va esquiver. Yeah, on a esquivé. Hop, on entend un petit air de piano ici. Donc on va y aller. Et avant toute chose, mesdames, messieurs, on va regarder ici, bon. Et on va fouiller aussi. Parce que je sens... je le sens, le fantôme bleu, là. Oh, la thune! Ah oui, c'est sûr que pour avoir tous ces instruments, là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent! Mais je sens... Bon. Je sentais pourtant le... Le... C'est pas possible, attendez. Il doit y avoir... Il doit y avoir quelque chose quelque part, non? Non. Attendez, avant qu'on allume le dernier tam-tam, on va regarder ici. Bon, tant pis. On allume le dernier tam-tam et on va ici. Tintintin. Alors, je suis Mélodie. Mégalo. Alors, piano. Ouais, super. Alors oui. Oh, je sais plus c'est quoi. Ça, il me semble que c'est quand il est dans les airs, Mario, hein. Alors, Mario Bros, Mario Bros World ou Mario Bros 3? Oh, 3. C'est ça. Eh oui! Voilà, faut aspirer les notes. Voilà, tu fais beaucoup de fausses notes, hein, sans tes
Canada. Comment j'ai pu louper ça? Oh no. Alors, Madame Fausse Note. Allez, on va choper le dernier. Yeah. Alors. En fait, elle est triste parce qu'on a réussi à trouver de quel Mario il s'agissait. Alors, on va se faire... Oh non! Attendez. Oh non! Mais vas-y, la totale. Oui, Mario. Mais non, mais ça compte pas aussi. Je suis Rikiki, je peux pas utiliser mon aspirateur. Allez, hop, hop. Hop. Et toi, là, le dernier, viens ici. Oui, surtout pour 7, quoi. Surtout pour les 7 derniers PV qui restaient. De toute façon, on l'a quand même très très bien eu. Ah, la cliff. Alors. Ah oui, je me souviens d'ici. Alors, attendez, parce qu'on... On doit trouver notre... Ah ouais, Bouméo. Oh là là. Non, Bouméo, mais je perds des sous bêtement. Ah, j'ai pas réussi à ramasser la petite pièce qui est partie solitairement. Allez, on sauvegarde. On en a 13, c'est super. Donc... Oh, esquive. On va vite fait dans la petite pièce qu'il y a. Alors, toi, tu vas me foutre la paix. Vite, 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 on ouvre la porte. Oh, les bananes. D'où j'ai glissé sur la peau de banane que j'ai aspirée. Je n'ai vraiment pas de chance. Allez, je veux ramasser la nappe. Voilà. On aspire toute la nappe. Oh, cœur, cœur. Moi, je veux le cœur. Alors. Mais d'où, misérable. Alors. Je suis vraiment un déchet d'avoir glissé sur cette banane. Oh! Tiens, toi t'es à moi! Oh là là! Là, le fantôme bleu, là, il était à moi, là. Vite, on ramasse le... Ouais. La perle verte, là. Les billets. Vite, vite, vite. On a la pépèce. Oh là, les pépèces ont disparu. Alors, ici. Il n'y a rien. Alors, de souvenirs... Là. Ouais, voilà. Alors, on va aspirer... Ah ouais, attendez. Viens ici. Viens ici. Yes. Il est où, l'autre? Il est là. D'où? Tiens. Mais il est où? Je l'entends à ma gauche, mais il... Yes. Voilà. Coucou Thierry, je vais t'aider à finir ton plat. Parce que t'es un peu énorme. Allez. Je t'aide, tu vois bien. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Pardon, excuse-moi, Vernum. Vernum. Ça me fait penser à Vernum de Harry Potter, vous savez. Oh, gros, calme-toi. Oh, c'était pas volontaire de dire gros, calme-toi. Ah, Washaku. Allez, vas-y, recrache. Recrache. 1, 2, 3, 4. Tu vas te fatiguer, gros. 1, 2, 3, 4 et 5. Fatigué? Pas moi. Alors, lui il est chiant à attraper parce que il est énorme. Ah, on l'a pas eu du premier coup, ça fait bobo. Alors, je crois qu'il doit y avoir une perle par là. Vite! Uno, dos, tres, cuatro, et je sais pas c'est quoi la suite, mais boum! On va la voir. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Oh! J'ai cru qu'il allait m'échapper avec... Vous savez que c'est possible qu'il nous échappe avec 0 PV, hein. C'est pas que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, quand même. Voilà. Ah, s'il y avait le fantôme ici, j'allais être très déçu. Voilà. Oh, gris, toi, viens ici. Oui. Le diamant. Alors, diamant qui me faisait penser au truc de lessive quand j'étais petit.
est à nous. Oh, Soussou. Alors. Oui. Toi, t'es bouchon. Ah bah oui, bah, bouchon de champagne, effectivement. Viens ici, bouchon. Là, tu fais pas bouchon sur l'aspirateur. Lol. Bon. Yes, on sauvegarde. On a bientôt 15 bouts, mais c'est... C'est incroyable. Oh, des sous! Des sous. Ramassons les casseroles. Alors, attendez, parce que... Là... Oui, voilà, on ramasse la casserole, parce qu'ici, il y a un truc à faire. Regardez. Je vais vous montrer. On va le faire juste après. On va le faire juste après. On va d'abord chercher les fantômes qui se situent ici. Ça fait quoi si je joue ça? Oh! Oui! Fantôme bleu! Sous! Oui, c'est bien, moi je veux le... Voilà, viens là toi. Ça c'est le plus important, ça rapporte des sous. Et les sous, on en veut, rappelez-vous. Yes. Alors, en fait le but ça va être d'ouvrir ça. Alors prenez vos distances parce que sinon vous mangez une tannée. Et voilà, tiens. Je te calme moi. Voilà, vous lui jetez du feu dessus. Et hop, on aspire le fantôme. En soi il n'y en avait qu'un seul ici. Mais ne vous faites pas avoir avec le fantôme bleu. Oh, on a l'élément eau. Et l'élément eau, avec ça, on va devenir jardinier, je vous le dis. Oui. Je sais. Je sais. Oui, en gros, au lieu de cracher du feu, on va avoir un arrosoir. Voilà, clairement. Donc on a un lance-flamme et un arrosoir en nous. Alors, avant, le lance-flamme, on le passe ici. Et on a la perle rouge. Si elle veut bien venir à nous, voilà. Ça fait toujours plus de perles rouges. Et... On veut des bouts, nous. Yep. Oh, ça, c'était la farce à bouts. On va récupérer l'eau. Je sais pas où elle est, l'eau, mais elle est là. Non. Ah, il est retourné là, le bout. Alors. Toi, t'es bouligame. Alors, bouligame, tu vas rester avec nous. Tu ne partiras pas. Oh, viens ici. Oh, j'ai cru qu'il allait s'échapper. Alors, mesdames, messieurs. On a obtenu de l'eau. Et avec l'eau, on va faire le tour de tout le manoir aux endroits où il y a des fleurs, y compris à l'étage. Parce que c'est qu'à l'étage qu'il y en a, je crois pas qu'il y en ait dans les autres pièces. Donc on va vite fait à l'étage. Alors, tac, 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 tac. Et on va arroser les fleurs. Pourquoi me direz-vous? Mais parce que les fleurs, je vous l'ai dit dans le dernier épisode, quand on est un bon jardinier, ça rapporte des sous. Et on va ici, tout simplement... Hop, je vais vous montrer, alors vraiment, hein, ça c'est parce qu'on veut des sous pour aller plus loin dans l'aventure, etc. Parce que les sous c'est super important, ça fait tout le let's play, je vais le dire, hein, croyez-moi. On aime tous la thune. Alors, où est le problème? Donc on va ici, et vous voyez, ici, on peut avoir des sous. Viens ici, ne va pas tomber. Voilà. Donc on a des sous, et on va arroser encore ici. Les sous de la richesse, toujours et encore. On va sauvegarder, tiens. Ça, c'est un jeu à sauvegarde. Voilà, on a sauvegardé. Et on va aller dans la chambre de Lydia, parce que dans la chambre de Lydia, il y avait une plante verte. Et d'ailleurs, j'ai un doute si... Pas Olivier, mais Neville en avait une aussi. On va vite fait regarder. Bon, vous inquiétez pas, là je le fais parce que je veux vous montrer. Mais la prochaine fois, je le ferai aussi, mais je ferai des ellipses. Ce qui est bien plus intéressant pour vous, bien évidemment. Ça fera un épisode plus court pour vous et quelque chose de plus agréable à regarder. Et quelque chose de moins redondant parce que voir Luigi marcher pour aller voir des fleurs... franchement, non merci, mais c'est pour vous montrer où est-ce qu'elles sont, quoi. Pour vous rappeler. Oh yeah! On a un verre. On a vite verre. Voilà. Hop là. On va vite faire regarder. Non, ça on avait déjà regardé toi. Ouais, un cœur, bon, on s'en fiche. Faut vraiment penser à tout revérifier. Et le bébé, je pense pas qu'il y ait des fleurs ici. Non. Il n'y a pas de fleurs. Très bien. On va s'enfuir. Enfin, vous savez quoi? Je vais faire ma première ellipse de tout let's play. On va se retrouver là où on était il y a 2 secondes dans la cuisine. Allez, à de suite. Des sous! Des sous! Bon, et bien, re. On est revenu ici. Entre temps, j'ai eu des sous. Parce que j'ai un peu checké à des endroits. Alors.
On va pas de suite récupérer l'eau. Voilà, on a fait fondre ici. On récupère de l'eau, tant qu'à faire. Il y a une lumière là-haut, si elle peut nous donner sous. Non, des cœurs. Ok, très bien, on sort. Et on va se retrouver ici. Alors, on va arroser la petite graine. Et ça, va falloir le faire à chaque chapitre. Et à la fin, ça nous donnera zi argent. On va mouiller le chien. Et là, on va devoir l'esquiver. Et ça, je dois dire que j'ai jamais réussi à bien l'esquiver. Donc en fait, le tout, c'est de courir. Et de lui faire... Wolo, fous-moi la paix. Coucou, Spooky. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Spooky, je suis pas sûr. Wolo, j'ai eu des lags. C'est normal. Avec l'émulateur. Ça arrive. Spooky, fous-moi la paix. Par contre, il y en a un peu beaucoup. Oui, Spooky. Ok, ok, ok. On va le faire en plusieurs fois, celui-là. Mais non, mais Spooky aussi! Ah, tiens! Tiens, occupe-toi du nonos, Spooky. Oh, on l'a eu! C'était pas prévu. On a réussi à choper Spooky. Ah, c'est gelé du premier coup! Saleté! Oh, quoi? Non, sérieux? Il doit lui rester un seul PV. Bon, de toute façon, tant qu'on a la grosse perle, c'est considéré qu'on l'a eu du premier coup. Qu'on le veuille ou non. Tiens, Spooky! Oh, tout ça pour un PV, franchement, ça peut foutre la haine. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de... Ouais, ah, la bulle d'eau, elle est là. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de boue, par exemple. Encore une fois. Donc, on va dans le petit trou à Spooky. Et avant de faire quoi que ce soit, il y a ce truc-là. Hop là. Hihi. Ça, ça rapporte des sous, toujours. Alors... les cœurs là, viens ici. Yep. Là, il y a un gros cœur, c'est bien. Je ne veux pas de gros cœur. Voilà. Yes. Attendez. Voilà, parce qu'ils nous jettent des os, en attendant. Voilà. On va arriver à les avoir, vous allez voir. Ah, loupé. Mais on va les avoir. Mais... Pardi. Mais on va y arriver. Yes. Oh là là, on l'a esquivé. Excusez-moi, j'étais super concentré. Alors, on va attendre que le mec... Ok, on va attendre. Ça se trouve, il y a un moment précis. Regardez, hop, il va se former, et là... là, c'était pas le bon moment. Je ne sais pas quand est-ce que c'est le bon moment, mais... Yes! On l'a eu. Et voilà. Oh. On va s'en approcher parce que je suis curieux. Alors. Bien le bonjour. Holo! Qu'est-ce que c'est? Oh, ça fait peur. Qu'est-ce que tu as? Bon, on voit que c'est gluant, on sait pas ce que c'est. C'est, à vrai dire, de tout le let's play, ça va être le fantôme le plus étrange. D'accord? Alors, lui, on va l'aspirer, comme ça. Et vous voyez, ça fait une boule noire. On va le jeter sur le concerné. Et on lui enlève des PV. Alors, celui-là, il est très dur à obtenir, je vous le dis. Alors, hop, on fait ça. Il suffit de regarder l'ombre sur le terrain. Le voir, et... Oh, on l'a loupé. Ça arrive. C'est pas bien grave. Bon, bien sûr, on a eu le plus petit... Le tout, ça va être de le trouver, il est là. Oh, on l'a encore loupé, c'est pas vrai. Attendez, parce que... Il est juste là. Oh, on l'a loupé, mais je suis vraiment un déchet sociaux. Yes. Là, je devrais pas te louper quand même, faut que je fasse... D'accord. Viens ici. Alors, ombre. Il est là-bas. Là, je te loupe pas, voilà. Ok, on a réussi à l'emmener à 50%, c'est cool. Ça, c'est un vilain boss. Là,
Voilà. On a fait ses esquives, les gars. Je vous le dis, hein. Bon, lui, de certitude, on l'aura pas en tableau doré. Il est juste là. Hop, bouh. Yeah. Ouais, en même temps, c'était un peu sûr. T'as vu où tu m'as mené, enfoiré. Ouais. Vite, on ramasse les sous. Yes, on a réussi à conserver tous nos sous. Attendez, on va essayer de faire un... Oh, no. Attendez, on le voit, on le voit, on le voit. Yep, tiens. Attendez, si je le loupe là, je suis... Oh non, je suis triste. Voilà, j'ai envie de pleurer. Et ce boss là, chaque fois il me fait le coup. Salut. Mais non. Allez, rentre. Ah, pitoyable ce combat, pitoyable. Très bien. On va récupérer ce petit coffre. Allez, oui, oh, clé verte, trèfle. Non, c'est... Oh, c'est pas... Oh, j'ai toujours cru que c'était un trèfle. Mais non. Alors, Luigi, Luigi, oh là là, je suis très heureux de te voir retrouver. Je savais pas où t'étais, la connexion avait coupé. Oh là là, l'ectoblastromine, il va bien, toi aussi, c'est super cool, viens au laboratoire. Bon, alors, on a droit au même scénario que dans le dernier épisode. Oups, là, on distrait les fantômes. Et comme en fin d'épisode, on va lire les trucs des méchants. Alors, je vais essayer de m'appliquer. Parce qu'avec moi, ça risque d'être long et d'ajouter 10 minutes. Bon, avant, on regarde la fin du chapitre. Je suis content d'avoir fini le deuxième chapitre parce que j'ai vu que plein de youtubeurs le faisaient en deux fois. Et je vois que moi, en à peu près 50 minutes, j'ai réussi à faire les deux chapitres. Je suis content. Donc, je suis un peu loin, je suis navré. Je pose ma veste. Elle va tomber, je crois. Non, c'est bon. Donc. Voilà, on l'a eu gris. Donc, on l'a eu moyennement, je crois. Doré. Eh bien, oui. On l'a en doré. Même si on s'y est pris à deux fois, je crois, pour lui. Ah non, on l'a eu qu'une fois. Doré, elle. Lui. Ah, gris. Ah, ouais. Et pourtant, on avait eu la grosse boule, je crois. Et Spooky, on l'a eu en une fois. Pourtant, il est moche, le tableau. C'est terrible. Alors. Enfin, je l'appelle Spooky, mais si ça se trouve, il s'appelle pas comme ça. On va voir le nom de chacun. Monsieur Miam. Les Bilini volants. Mélodie Pianissimo Nestor. Spooky. Et Monsieur Marin. Ou Marais, plutôt. Ouais. 9 fantômes. Et la thune, ça fait combien? 31 000. Alors, on va aller à la galerie, monsieur. Et comme à chaque fois, on va regarder. Oh, la carte. Comment on fait? Ah, c'est... Ben non. Ah, c'est cette touche-là, pardon. Ah, on a pas mal de trucs. Alors, le couple de danseurs, les Bellini volants, âge inconnu, anciens champions régionaux... de valse, oh, une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, bref. Ils ne peuvent plus concourir car leurs pieds ne touchent pas la terre. Oh, les pauvres. Et alors ça c'est Nestor, ouais. Le majordome errant, Nestor, 72 ans. Il erre dans les... Ouh là là, excusez-moi. Il erre dans la demeure à la recherche du testament de son maître en espérant y être inclus. Oh merde, c'est pas le... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on en était à Nestor. La belle pianiste, Mélodie Pianissimo, 26 ans. Oh. Elle a beau jouer d'envoûtante... Ok, elle a beau jouer d'envoûtante mélodie. Ah, pardon, excusez-moi, la virgule. J'avais pas fait attention. Elle a un caractère de cochon. Oui, ça, j'ai pu constater. En plus, elle aime les jeux vidéo. Oh, tout comme nous, finalement. Alors, Monsieur Mam, le glouton 30 ans. Il a 10 ans de plus que moi. Il préfère les buffets à volonté à 3 repas quotidiens. Il s'est gavé à mort, mais... Pardon, il s'est gavé à mort, mais en voulant encore. Mais en voulait encore, pardon. Oh là là, excusez-moi pour ma manière de lire. Alors ça, c'est Spooky.
Le chien de garde affamé, Spooky, 4 ans. Oh, il a 3 ans de plus que le bébé. Ce vilain canidé. Canidé, c'est ça qu'on dit? Ok. Platera. Plantera ce. Oh là là, excuse-moi. Ce vilain canidé plantera ses dents dans tout os consistable à. En apparence. En apparence, excusez-moi. Alors là, je suis vraiment. Vous avez une belle preuve de ma dyslexie. Je suis en sueur tellement j'ai honte, mesdames, messieurs. Donc, l'ombre du cimetière, monsieur Marais, âge inconnu, issu de la peur et du désespoir. Il ne sait plus à qui faire peur et désespère de trouver une victime. Ah ben, là, tu vas désespérer à vie. Par contre, je suis intrigué par un des tableaux. Spooky. Il est doré, il est pas beau. Bref. Mesdames, messieurs, du coup, j'espère que cet épisode 2 de Louise Mentions vous aura plu. Si cet épisode, du coup, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mais seulement s'il vous a plu. Hein. Si vous avez envie de laisser un commentaire, faites-le. Et en sachant que ça, pour le coup, ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde, hein, vu la petite communauté qu'on est. Et si vous me découvrez sur ce jeu et que vous découvrez l'épisode 2, bah, abonnez-vous si vous pensez que le reste peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Sur ce, mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Je me répète, bye tout le monde!